Et frères et sœurs, faut charbonner dans la vie pour avoir une vie meilleure pour nous et pour nos enfants. Et surtout Dieu, faut jamais oublier de prier avant de faire toute chose. Parce que c'est lui qui fait tout. Parce que c'est lui qui ouvre les portes. Faut toujours le mettre en avant. Après, nous devons charbonner. Nous devons chercher de l'argent pour nos familles, pour nos enfants, pour notre avenir. Pour notre avenir. Et là, j'attends, il y a mon chauffeur qui arrive et je sors. Et rendez-vous, je n'en peux plus. Et avec mon mal de gorge, ça n'arrange rien du tout. Bonjour la famille, c'est toujours Gil Master Chronique de Net TV, Noko Yabana, Muyomba Yabatoto, l'oncle de tous les enfants. Au moment où je fais la vidéo ici, au moment où je vous parle, chers frères et sœurs, notre chère Nikki Menga Barcelone, la plus belle femme de tout l'État dans la vie de Fally Ipupa, elle est malade. La femme qui a donné la vie à Fally Ipupa. Elle est souffrante aujourd'hui. La femme qui a donné à Fally Ipupa des très belles filles, elle est souffrante. La maman qui protège les affaires de Fally Ipupa, autrement dit Nikki Menga Barcelone, elle est malade. Vous qui aimez Nikki Menga, vous qui priez chaque jour votre beau Dieu, n'oubliez pas surtout le nom de Nikki Menga Barcelone dans vos prières. N'oubliez pas la femme à la valeur ajoutée dans vos prières. Aujourd'hui, à ceux qui m'écoutent, ceux qui parlent à Fally Ipupa, ceux qui ont des contacts à Fally Ipupa, dites à Fally Ipupa de venir au secours à sa chère femme, à sa chère épouse, Nikki Menga Barcelone, puisqu'elle ne se sent pas bien. Vous savez que la vie a des hauts et des bas. Elle est aujourd'hui malade et elle a besoin d'une assistance, spécialement de son mari. Faites appel à Fally Ipupa. Dites à Fally de se rappeler même d'une bonne chose que Nikki Menga a fait dans sa vie. Boyebisa Fally, qu'il puisse se rappeler, ne fût-ce qu'un éloque moko, d'une chose que Nikki Menga a fait dans sa vie. N'est-ce pas que Nikki Menga t'a donné les enfants? Juste pour, au nom des enfants, fais quelque chose à Nikki Menga. Elle est malade. La maman. La femme qui a donné naissance à tes belles grandes filles aujourd'hui, à tes belles jeunes filles aujourd'hui, elle est souffrante. Batouba komi kolobabilobela. Batouba komi kolobabilobela. Tellement que chez nous au Congo, chez nous en Afrique, quand quelqu'un tombe malade, on commence à donner beaucoup d'explications inutiles. C'est comme si les gens ne sont jamais tombés malades chez nous. C'est comme si la femme d'une star ne peut jamais tomber malade. Aujourd'hui, nos corps, ils ont une faiblesse. À un moment donné, on peut tomber malade. Nikki Menga aussi a un corps comme nous. Bien qu'elle est charmante, elle est attirante, elle est belle, elle est jolie. Elle a aussi un corps comme nous, un corps charnel. Elle peut tomber malade. Il ne faut pas amener des bêtises dans des réseaux sociaux. Il ne faut pas dire de n'importe quoi. Puisque maintenant, là, je prends les dossiers en main. Maintenant, dans 8 dossiers en main, je vais répondre directement. Si Azako souffre de malaria, si elle a une fièvre, et puis elle est à l'hôpital, il ne faut pas amener d'imagination derrière tout ça. Puisque chez nous en Afrique, pourquoi quand quelqu'un tombe malade, il faut amener des imaginations inutiles. Quand quelqu'un tombe malade, c'est soit le sida, zonas, il y a des choses inutiles qui entourent la personne. Vous connaissez bien d'ailleurs, si on va doucement là, boyebina no binomoko la valeur de Nikki Menga. Ce n'est pas une fille facile, ce n'est pas une fille légère. C'est une femme qui se respecte. Pendant tant de mois, pas de tant de jours, tant d'années qu'on l'a connu sur les réseaux sociaux, on l'a jamais écouté dans des scandales inutiles. Totika la koyoka été na ba bêtise, jamais. Donc c'est une femme modèle, une femme vertueuse, une femme de caractère vraiment courtoise.
Elle est en train d'éduquer ses enfants. Elle est en train de... Elle prend charge 100% de ses enfants. Le charge d'éducation, charge alimentaire, charge c'est pas domiciliaire, comment on dit ça. Et toutes ces charges-là sont entre ses mains. Et puis, elle a augmenté, elle est allée au-delà de ses forces pour assister les enfants démunis en Afrique. Et puis la femme comme ça là, un homme, une femme qui n'a pas honte, une femme dévergondée comme Grace Mbisi, une femme qui n'a pas de valeur comme Karen Mukonzi, des femmes bizarres de la communauté, les femmes qui font honte à la société africaine. Bangonde bakoya kolobabilobela pona mutulokola nikimenga. Mes chers amis, il faut kozala batu. Moi si oyo nikimenga, outil de nulle part, elle est venue de nulle part. Avec le peu de moyens qu'elle a, elle a l'esprit d'aider les gens les plus démunis comme elle. Elle aussi elle est dans une situation démunie, mais elle ne voit même pas tout ça, mais elle a tendance à aider Batu. Et Messika, lelo akoi a comme une position où ya zoko bela. Biso ba oyo ba biso ba auto supporta kayé. Bino ba oyo bo soutena kayé. Moi na moi si oyo. Azana posa na bino, azana posa ya ed. Fali oyo, je vais dire d'abord, je vais parler dans ma langue. Soki fali, az koki ko se souvenir, na chose moko kaka, na eloko moko oyo, niki ya salaye na vie. Eloko kaka moko ya bien. Soki bombino bomona ka niki azama be makasi. Nefis ke eloko moko ya bien ya sala na vie ya fali. Fali koki ko sala quelque chose. Au nom des affaires de Fali Poupa, Fali peut faire quelque chose. Fali, au nom de tes affaires, maman ya bana na yo, la femme qui prend charge à tes affaires, elle est malade. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Yo moko yebi bien. Si la maman là n'est plus là, qui va prendre charge de tes affaires? Ndesi ko zo mona ke bana bakubanda bakoma de vergonde, puisque yo moko moi si na yo oyo qui peka oza na elelo, elle n'est pas capable à gérer tes affaires. Elle a divisé la famille. Maintenant, soki niki menga zati, qui va prendre charge à Batouana? Bino batouza ko finga kabatu. Bino batouza ko lobaka bilobela. On vous connaît. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas venir ici m'insulter dans ma chaîne. Si tu ne veux pas regarder ma vidéo, il faut zapper. Mais moi, je suis ici pour retracer les lignes, pour dire la vérité. La femme là, si elle n'est pas là aujourd'hui, qui va prendre soin des filles de Fali Poupa? Vous les Wario, à chaque fois vous insultez les gens. Il faut avoir esprit de réflexion. Il faut avoir aussi l'esprit de rétrospection, de réflexion, de réfléchir aussi. À un moment donné, Niki Menga est malade. Elle a besoin de soutien. Si Niki Menga n'est pas dans le cadre, dans l'entourage des enfants de Fali Poupa, les belles filles là, qui va prendre soin d'elle? Puisque la tante elle a mauvaise relation avec Niki Menga, a mauvaise relation avec les enfants, avec tout le monde. Personne n'est à bonne relation avec les enfants de Niki Menga. Si Niki Menga n'est pas là, qui va prendre à charge les enfants de Niki Menga? Moi, je suis leur tonton, je suis loin. Qui va prendre la charge de tous ces enfants-là? Maintenant, pour éveiller la mémoire, éveiller l'esprit de Fali Poupa, pour lui dire que Attention, aujourd'hui on est dans les zones rouges, dans une zone rouge. Tu dois faire secours à tes enfants, à la maman qui prend soin de tes enfants. Et qu'est-ce qui manque à Fali Poupa pour pas qu'on moi $500 pour un soin approprié à Niki Menga? Parce que si Niki Menga aujourd'hui est là que ça lié, non qu'on oude, est là que ça lié, Batoubakoloba, c'est Fali qui l'a mangé. C'est déjà ce que les gens vont dire. Maintenant, Fali, pour ne pas être responsable de tout cela, puisque cette dernière tati a mangé les gens dans des stades de martyrs, aujourd'hui tu veux manger ta propre femme. Maintenant, pour éviter tous ces problèmes-là, tu dois épargner la femme dans tout ça. Tu dois la sauver, puisque elle est dans l'état des besoins. Tu dois la sauver. Si j'écoute ma cosso dans mes affaires ici, je vais venir très mal. Tikangana loba, je dois parler pour ma soeur. Je dois parler pour la femme qui est à détresse. On doit la sauver. Si ma cosso, tu te crois que tu es intelligent, tu as de l'argent, il faut envoyer l'argent à Niki Menga pour la sauver. Puisqu'elle a besoin d'argent maintenant là. Elle a besoin de soutien moral et matériel.
elle a déjà un soutien matériel, moral, puisque nous, on est là. Il y a les femmes, beaucoup de partout dans le monde, qui la protègent, qui l'aiment. Les femmes qui prient, n'oubliez pas de prier pour Nicky Minga. Les femmes qui font l'intersection, intercédez pour Nicky Minga, puisque elle est dans un mauvais état, elle est malade, elle a besoin de votre soutien. Le soutien matériel, ça revient maintenant à la famille Falie Poupa, puisque elle est la maman de ses enfants. Ses enfants sont à sa charge, c'est elle qui prend charge de tous ses enfants. Alors botika ko finga, botika ko insulter, ne faut pas insulter les gens. Il est temps de faire recours à tous les moyens possibles pour sauver la vie de notre Nicky Minga. Il est temps que ça la secours na position yo se pour sauver Nicky Minga. Ah, esa place ya blagité. Koyelanga bilobela te. Koyelanga ba n'importe quoi te. Nicky a quitté Poto. Elle a quitté l'Europe juste pour aller sauver les enfants, les démunis au Congo, en Afrique. Mais si pendant son voyage, durant son voyage, elle est tombée dans l'embuscade de la maladie que personne ne peut gérer, puisque personne ne peut prophétiser qu'est-ce qui va arriver demain ou après-demain. La maladie est venue, elle est là. C'est parmi la vie. Ça, on ne peut pas échapper à la maladie puisque ça fait partie de la vie. Quand elle est malade, elle a besoin de nos aides, elle a besoin de nos soutiens. Fali, il est le soutien numéro un. Il doit être le soutien numéro un à Nicky Minga. C'est lui le papa de ses enfants. C'est lui qui doit prendre les relèves de ses enfants, puisque la maman n'est pas en bonne santé. Les enfants ont besoin d'un soutien moral, matériel et financier dans tous les points. Les enfants en ont besoin. Si aujourd'hui les enfants sont délaissés, la charge, le problème sera maintenant à Fali. Pourquoi? Puisque la femme elle-même, elle n'est pas capable, elle est malade aujourd'hui. Bon, pesa, bon loup. Qui sa Fali Poupa, botin de le message yo. Et il doit prendre soin à maman ya bananaye. So qui, dans tous les cas, il doit se souvenir de l'oko oyoniki a salaye ya bien. Et l'oko moko kaka. So qui sa ya mukanda, a salango pona l'oko wana. So pona bana, a salango ka, au nom des enfants, na kosali sa maman ya bananaye. A salango, puisque la femme là, elle est malade. Et toza na posa ya ko yo kaye, a za vivante, puisque za na musala mnene, misala ya niki menga, nde eza ko banda. Il faut gérer bana, a zo gérer bana. Il faut à contrôler l'éducation na bango. Il faut contrôler e ba étude na bango. Façon na bango kolata ya kosala. Il faut azala wana mama wana azo gérer azana nini. Azana centre ya éducation ya bana na. So ki azate nani kozala wana. Si Nicky Minga n'est pas là, qui sera là? Nana Ketchup et Safou, c'est une femme qui s'affoue de tout. Elle est capable d'aller de devenir danseuse juste pour se faire voir. C'est ça la femme de Fali Poupa. Mais pendant qu'il y a une autre femme qui s'occupe de la famille, elle est prête à souffrir, mais pour sauvegarder la famille de Fali Poupa. Si c'était Nicky Minga, si ce n'était pas Nicky Minga, les affaires, je ne sais pas où elles seront aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, gloire à Dieu, Nicky Minga a des nerfs solides. Ayebi ko sa sorti dans des situations difficiles. Elle s'est assortie dans des situations difficiles pour vu que les enfants aillent de l'avant. Les lobes n'ont pas suivi sa classe. Les enfants sont à l'université. La deuxième fille, là, comme mannequin, elle grandit, elle évolue aussi dans ses études. Alors, tout ça n'a pas ça. Il y a que soutenir action, on a besoin de soutenir Nicky Minga dans tous les points. Il y a pas de points virgule ou pas d'exclamation. On doit soutenir Nicky Minga dans tous les points. Fali, tu dois sauver Nicky Minga. Tu n'as pas le choix, tu dois sauver Nicky Minga. Si Nicky Minga part aujourd'hui, on va t'attaquer toute la vie puisque ça c'est notre Nicky. Ça c'est notre Nicky Minga Barcelone. On n'a pas les choix. C'est toi qui nous avais présenté Nicky comme ta femme et t'as donné des enfants. Alors, pour être, tu es attaché à Nicky Minga jusqu'à la fin. Tu es attaché à Nicky Minga jusqu'à la fin. Tu n'as pas les choix. On continue. Je vais maintenant me ressourcer pour mieux savoir comment est-ce qu'elle est tombée malade pour venir vraiment détailler les affaires ici sur les réseaux sociaux. Je suis là, l'oncle des enfants, l'oncle de tous les enfants. Mouyomba Bato Toyote, Noko ya tous les bana, c'est moi. Je vous aime à plus.